Enfin, là, en l'occurrence, qui avait pris le pas sur la colère et sur... Ce n'était pas une surprise, le fait d'avoir été convoqué, d'être sans cesse intimidé, c'est le soutien et la solidarité auquel ça a donné lieu. Du coup, on m'a demandé si j'étais l'organisatrice de ce rassemblement, si je connaissais des personnes qui l'avaient organisé. Je me suis contentée de dire que j'étais présente, que je m'étais rendue à l'hôpital pour mon travail, que j'avais vu le rassemblement et que j'y étais présente. Que le reste, j'avais rien d'autre à déclarer. C'était quelle date ? Et le 10 le 7 novembre. Bon. Le 7 novembre. Ouais, c'est ça. Donc il est... c'est bien ça, c'est la première. Ça, voilà. Il apparaît du coup que je me suis rendue de mon plein gré sans réelle convocation à ce sujet et que je ne reconnaissais pas les faits puisqu'il s'agissait en fait de participation à une manifestation qui avait été interdite. J'étais présente sur les lieux, mais je n'ai pas participé à une manifestation comme ça. Oui, il m'a dit, est-ce que vous avez eu connaissance du fait que cette manifestation était interdite ? Je dis non. Non, parce qu'elle n'était pas interdite, en l'occurrence. Et par contre, il m'a bien prévenu à la fin que dans la reconnaissance des faits, je reconnaissais qu'il y avait une infraction sur... il m'a dit, attention, reconnaître que vous y étiez, ça n'est pas reconnaître... Il m'a dit, vous pouvez reconnaître y avoir été sans reconnaître les faits qui vous sont reprochés. C'est-à-dire reconnaître que votre présence sans reconnaître que vous avez participé à une manifestation, volontairement à une manifestation qui était interdite. Tu étais dans quel état quand tu es arrivé ? Alors j'étais pas loin d'être la première à être convoquée et c'est dans un contexte où ça fait un an que les tentatives d'intimidation et la répression montent. Sans cesse. Donc non, j'étais pas surprise d'être convoquée. Prenant très régulièrement la parole et faisant partie de plusieurs organisations, je me doutais qu'il n'y avait ni hasard du calendrier, ni hasard sur les personnes qui étaient convoquées dans toutes les personnes présentes. Là, en l'occurrence, donc c'est des photos qui ont été prises lors d'un rassemblement devant l'hôpital d'Aubenas. Je doute que toutes les personnes dont les plaques ont été prises en photo soient convoquées pour répondre de leur présence ce jour-là. Ça s'est passé correctement pour toi ? Oui, là pour le coup, moi c'est la gendarmerie parce que je n'habite pas Aubenas même, donc c'est eux qui ont pris le relais en fait d'une enquête qui est initiée par le commissariat. Je dis pas que j'étais pas méfiante parce que malgré la courtoisie, ils ont été très corrects, mais j'ai quand même eu deux gendarmes qui ont débarqué chez moi pour ma présence, pour la présence de ma voiture lors d'un rassemblement devant l'hôpital. Et le bilan que tu en fais là Mais par contre, ça c'est. Je n'ai pas eu de pression outre mesure, je pense qu'il y avait vraiment la prise de relais de quelque chose qui est initié. Ça n'empêche pas le message qui est quand même le message qui est quand même mis en avant et qui est que voilà, on est quand même surveillé, fiché, et que c'est dans un contexte de bataille contre, de lutte contre les la loi sécurité globale qui vise quand même particulièrement les militants. Parce que la manifestation qui t'est reprochée, c'était une manifestation pour quoi ? Pour la santé, non ? C'était une manifestation pour la défense des services publics et effectivement, il était question de la gestion de la crise sanitaire, des options
possible et du fait qu'on n'a plus aucune possibilité d'expression, de décision et de prise de parole dans, dans tout ce qui concerne nos services publics, la santé particulièrement. Là, c'était mis en avant par la crise sanitaire, donc effectivement, il était question de la santé en premier lieu, mais ça concerne vraiment tout le bien collectif en fait. Dernière petite question, manif interdite ou manif non autorisée, ou comment on fait pour le savoir? Alors, il n'y a pas de moyen de le savoir. La différence entre manif interdite et non autorisée, c'est que c'est une question de déclaration faite à la préfecture. Manifestation interdite, c'est que la déclaration a été faite et que la préfecture a refusé. Manifestation non autorisée, c'est que la déclaration de rassemblement n'a pas été faite. Et les gens qui participent à la manif, comment le savent-ils? Il faut qu'ils soient renseignés avant. C'est ça. Merci. Merci.